Voilà, donc après avoir réalisé les deux morceaux à l'identique, on va passer cette fois-ci à la seconde partie. Donc là, vous avez les trois diminutions qu'on a réalisées tout à l'heure et vous avez 30 mailles de ici. Alors donc pour la partie couture, vous allez mesurer là où donc vous allez les faire la réalisation. Donc on va réaliser la couture en partant de la deuxième, pardon, la troisième rangée des diminutions, donc les cinq dernières mailles qu'on a arrêtées, partie d'elle, on va donc coudre les deux parties. Alors vous réalisez la couture invisible et puis donc vous réalisez d'abord la couture invisible sur les épaules, au niveau des épaules. Et on passe à la réalisation des manches avant de réaliser donc la couture des deux côtés et sur les manches. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc j'ai réalisé la couture sur les. Alors là, je vais adapter la couture au niveau des épaules, donc pour le cou. Alors pour les manches, pour la réalisation des manches, je vais mesurer un peu ici. Alors moi, j'ai compté 26. Pardon, excusez-moi, je vais retrouver les explications tout à l'heure. Donc, pour la réalisation des manches, alors, on va compter 26 mailles de chaque côté. Alors, vous avez au total. Voilà. Donc, vous avez au total 44 cm. Donc 44 cm, vous allez mesurer, donc vous allez laisser, vous prenez donc 16 cm et vous marquez donc les 16 cm et vont nous servir pour la réalisation des manches. Alors, vous allez compter 8 mailles, ah pardon, vous allez relever 11 mailles en premier temps, donc. Relevez donc 11 mailles. Oups. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9, 10, donc 10 mailles, vous prenez 11 mailles, 11 mailles, ça me fait. Alors ici, je dois, parce que là, je suis au niveau de la couture, donc voilà pourquoi ça me coince un peu. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez 11 mailles. Voilà. Donc, au total, vous allez relever 11 mailles de chaque côté et une maille au milieu. Donc, vous allez séparer les 11 mailles de chaque côté par une maille et vous allez poser donc deux marqueurs entre les 11 mailles. Donc, au total, vous avez 23 mailles. Je vais les placer sur mon aiguille.
Alors, pour la manche aussi, c'est très facile parce que la manche, il n'y a pas de points à jurer, pas de diminution. Et tout à l'heure, on va réaliser les augmentations, mais ça sera après donc la formation de notre manche. J'ai compté 10, 11, 2, 3, 4 et 5. Alors, pour la manche, pour la réalisation de la manche, on va relever graduellement une maille. À chaque rangée, vous allez relever une maille que vous allez rajouter sur les 20, pardon, sur les 11 mailles. Donc, au total, à la fin, disons. Alors, comme ici, au total, donc je disais à la fin, vous devez avoir 26 mailles de chaque côté. Vous avez donc ici, vous avez, on fait un petit nœud ici. Donc, vous allez relever une maille. Alors, on relève une maille. On tourne le travail. Donc là, ça nous fait 12 mailles de ce côté. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc au total, je disais, vous allez relever 15 mailles de chaque côté pour avoir 26 mailles de chaque côté plus la maille de séparation. Voilà. On arrive ici sur la rangée, donc à la fin de la rangée. Ici aussi, on va relever une maille. Donc, assurez-vous de relever 15 mailles de chaque côté pour avoir 26 mailles. De chaque côté. Voilà. On repart à l'envers. Et à la fin de la rangée, on va relever une maille. Donc, vous allez relever une maille à chaque rangée. Voilà. Vous allez relever une maille de chaque côté. Donc, vous allez relever 15 mailles pour avoir 26 mailles de chaque côté. Alors, voilà. Donc, après avoir relevé 26 mailles de chaque côté, vous allez tricoter droit, parce que moi j'ai eu un petit problème tout à l'heure. Donc c'est ça, vous allez relever 15 mailles de chaque côté pour un total de 26 mailles de chaque côté. Et puis vous allez tricoter en jersey en droit. Donc, alors je vais bien mesurer ici. Donc voilà, je suis à 38 cm au total. 38 cm de la manche. Alors moi j'ai marqué le 26 rangées plus la maille de séparation. Donc à partir de cette rangée à 38 cm, vous allez tricoter 26 mailles. Donc vous tricotez les 26 premières mailles. Côté les premières 26 mailles. Ici. Alors, comme vous voyez, moi j'ai marqué la maille de séparation. 26 mailles. Oups. Je fais une augmentation. Je vais piquer mon aiguille. Une augmentation. Je glisse le marqueur, je tricote la maille de séparation. Je glisse le marqueur et je fais de nouveau une augmentation. Et je tricote les 26 dernières mailles. Alors,
Cette partie, on va la réaliser comme suit. Donc, vous faites une augmentation. Vous avez la rangée retour à l'envers. Vous allez monter deux rangées. Donc, vous montez deux rangées en jersey. Et à la troisième rangée, vous allez réaliser une seconde augmentation. Donc, vous allez réaliser deux augmentations pour avoir donc 32 mailles de chaque côté. 32 mailles de chaque côté séparées par la maille de séparation. Donc, une augmentation, deux rangées en jersey, une augmentation. Voilà. Donc, au total, vous aurez à la fin des augmentations. Comme j'ai dit, vous faites une rangée augmentation intercalaire, deux rangées en jersey endroit, une rangée d'augmentation intercalaire de deux côtés. Vous allez réaliser des augmentations jusqu'à ce que vous ayez 32 mailles de chaque côté. Donc 32 mailles séparées par la maille lisière, par la maille de séparation, ce qui va vous donner cette forme. Donc, à la fin de ces augmentations. Alors, tout à l'heure, il y a Amélie qui m'a versé de l'encre sur mon ouvrage. Je ne sais pas comment je vais l'enlever. Alors, donc, lorsque vous aurez terminé de réaliser cette partie, voilà, ici, on va réaliser la couture sous la manche et sur le côté. Écoutez, donc vous arrêtez donc les mailles de la manche et puis vous réalisez la couture pour terminer. Donc on va arrêter les mailles avec un crochet. Alors, pour la suite, donc après avoir réalisé la manche, là, on va passer à la formation donc, du col. Alors, ça va être un col roulé. Alors, soit vous prenez des aiguilles droites ou vous prenez des aiguilles circulaires pour éviter de réaliser une couture à la fin. Donc, moi, je vais prendre des aiguilles circulaires. Si vous voulez, vous pouvez travailler avec des aiguilles droites. Après, vous allez réaliser simplement une couture à la fin de la réalisation du col. Alors, pour cela, donc, on va relever tout autour donc, du col. On va relever sous 78 mailles. Je vais relever sous 78 mailles. Et je vais placer sur mon aiguille circulaire. Tout à l'heure. Après, je vais monter 28 rangées en côte de 1-1. 28 à 30 rangées en côte de 1-1 pour la formation de notre col. Donc, vous allez relever les mailles. On va les placer sur notre aiguille. Alors, moi, j'ai placé toutes les 78 mailles sur mon aiguille. Et puis, je vais monter 28 à 30 rangées en côte de 1-1, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez juste à faire une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, on va répéter la séquence 38 rangées de suite.
Alors moi, je pense que j'ai laissé échapper une maille ici, parce qu'il y a quelque chose qui... Ouais. Donc, on va arrêter après les 30 rangées en côté 1-1. On va arrêter toutes les mailles. Voilà, on a terminé avec la formation du col. Voilà, on va arrêter les dernières mailles. Et donc, on aura terminé avec notre petit ouvrage. Alors voilà, donc, chers amis, comme vous pouvez le voir, alors je pense que j'ai laissé échapper une maille ici par erreur. Je vais la récupérer tout à l'heure. Voilà. On va couper le fil et on va les cacher avec une aiguille. On va d'abord cacher avec un crochet comme ceci. Après le reste, on va les cacher avec une aiguille. Après. Alors donc voilà, chers amis, ce que je tenais à vous proposer aujourd'hui comme tutoriel avec cette magnifique laine. Alors voilà, le tutoriel, le pull, il est très facile à réaliser. Alors au niveau du col, je vais défaire un peu pour ajouter quelques rangées. Alors voilà, et les manches, facile à réaliser. Prochainement, on verra un autre modèle des manches. Alors chers amis, déjà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'hésitez pas à partager et aussi de me laisser un petit mot en commentaire. Je vous souhaite à toutes un très bon début de semaine. Je vous dis encore merci. Merci à Valérie. Merci à Madame Nadia. Merci à Marie-Claire. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et surtout, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À très bientôt.